Enlève ça. On est bien en Bretagne. Merde, c'est beau. S'énerver. Aurélie s'énerve avec le GPS, c'est vrai qu'on n'est pas... Oh non mais franchement... On n'est pas aidé avec ce GPS. Pourtant c'est Waze, on a mis le CarPlay, mais je sais pas ce qui se passe Waze en Bretagne, mais il n'y a pas la Bretagne. Ouais, il n'y a pas la Bretagne, il n'y a pas l'habitude. Donc là on se dirige vers Saint-Brieuc. On va au Fort-la-Latte. On va au Fort-la-Latte. C'est après, c'est pour aller à l'île de Bréhat. Et alors il y a quoi à faire au Fort-la-Latte? Parce que moi en fait j'ai rien préparé du tout. Bah t'es sur deux caps là, il y a le Cap Fréhel et le Fort-la-Latte. Fort-la-Latte, donc t'es sur les caps. D'accord. Et puis après, on va à l'île de Bréhat. Donc là, tu es en pleine nature, normalement. Il n'y a pas de ville, il n'y a rien. Parfait. Bon, direction Fort-la-Latte, on y est. Fort-la-Latte. Dans 9h10, on est arrivé. 43 km. Là, aujourd'hui, par contre, il y a beaucoup de nuages quand même. On vient d'arriver Fort-la-Latte. Alors je sais pas combien de temps il faut marcher. Oh, pas énorme, je pense. C'est le je pense. Mais non, m'inquiète. Mais c'est accessible à tout le monde. Bah ouais, mais bien sûr. Allez. Allons. Le temps il est. Ah ouais, déjà ça pleut déjà. Ok, on va s'équiper. On a les vêtements de pluie parce que là, le temps aujourd'hui il est pas top. Mais je pense que ça va être une bonne journée aujourd'hui. Oh là, ça va me saouler aujourd'hui, je crois. Montre ton sac à dos. Là, il y a une carte. Moi, je vois rien. Attends, on est là. Je peux aller là. C'est là-bas. Par où? Là-bas. Je vois rien. Putain, non, mais tu viens de regarder la carte. T'as regardé quoi sur la carte? Si on est là. C'est là. Ah, c'est... C'est le jaune. Ah ouais, on peut pas passer sur le truc rouge. Le long de la côte. T'as envie de faire un GR34? 4h15? 16 km. Pourquoi il faut passer là alors bah que c'est ouais, ici? Bah non, c'est pas ça. On va regarder, on va suivre les trucs. C'est là-bas à mon avis. Ouais. Bon, la mésaventure commence. On vient d'arriver au Fort-la-Latte et c'est fermé. Donc là, on va se diriger vers Cap Fréhel. Heureusement que c'est pas loin les deux. Ouais, heureusement qu'on n'a pas fait 2 heures de route. Direction Cap Fréhel, espérant qu'on n'aurait pas de mauvaise surprise. Toi qui voulais aller en Islande. Ah bah ça aurait été pareil hein. Ouais. Donc nous y sommes. Punaise, quelle galère. Ce temps, c'est incroyable. Quand même bien, parce que ça coupe bien du vent quand même. Hein. C'est ces masques aussi, là. Punaise.
Bon, il est 11h. Je pense qu'il est temps de repartir maintenant. On a fait le tour. Là, du coup, on va du côté de... Arcouest. Arcouest. Ouais, c'est après Brest. Et il n'y avait pas un Pouménec maintenant ? C'est demain. C'est demain, ça ? C'est Perros-Guirec et Poumanac. Poumanac, ouais, d'accord, c'est ça que je cherche. Du coup, ben, 11h, on va partir, on va retourner à la voiture, c'est ça ? Ouais, on va finir là. Ouais, on va continuer là-bas derrière. Et après, on a 1h30 de route. Après, on part sur l'île. Alors, sur l'île, ouais, c'est l'île de quoi ? L'île de Bréa. L'île de Bréa, ouais. Donc, il y a moins de pluie. Il n'y a plus de pluie, hein, d'ailleurs. Il y a encore beaucoup de vent. C'est un truc de fou. Le plus grand des parkings, hein. Les autres ils font 30 et 60 places. Ah ouais, donc ça va être couche. Donc comme vous l'avez compris, on cherche une place de parking et là tous les parkings ils sont blindés. 2h15. On va aller vers le payant là-bas. Bah ouais, mais en même temps. Bah alors là en plus c'est normal. Bah puis c'est un long week-end, hein. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Fallait s'y attendre. Bon. Ah mais si on l'avait prévu encore. Allez, on va trouver. Combien de temps maintenant ? 15h30 le prochain départ. Ouais, il est 3h moins le quart. On part à l'ombre à quart d'heure parce qu'on a le. J'allais dire le train, mais non. Car le figuier. On a le. C'est quoi ? Le bateau, la navette, qui arrive dans 13 minutes. Il y en a une à 13 minutes et il y en a une à 5h30. Après, je me dis, avec le monde qu'il y a, on ne montera pas tous. Ouais, c'est sûr. Il y a énormément de monde ici. Après, il y a des gens qui peut-être ils squattent ici encore. On les voit se balader là, ouais, mais bon. En tout cas, c'est magnifique. Je regrette un peu, c'est de pas rester un peu plus longtemps. C'est vraiment très beau. Magnifique, magnifique. On espère arriver à l'heure pour prendre un PV. C'est combien ? 135 ? Ouais. Bon, croise les doigts. Thank you.
40 personnes supplémentaires, ça n'est pas techniquement possible. L'annulation des Jeux. Il faut dire que la situation épidémique empire dans l'archipel. Le gouvernement a décidé aujourd'hui d'étendre l'état d'urgence. Bon, on est arrivé à Lannion, Kyriade Hotel. Il était temps parce que je commençais à m'endormir. Par contre, on sait pas quoi manger ce soir. Oh, il est en train de chercher. Choca à quoi, Uber Eats, c'est ça? Ouais, s'il y a quelque chose. Ouais, j'ai pas vu de McDo dans le coin même. Hein. Ouais, mais c'est un grand centre commercial ici, alors il faut obligé qu'il y ait une chaîne. Ça a l'air bien chaud. C'est pour un dessert. Ah ouais, c'est fruits rouges. C'est fruits rouges, et puis en dessous, c'est sur. Tu vois? Ah, d'accord. C'est bon, tu verras. Fais-moi confiance. Je te fais confiance. Bon, on a bien mangé. Un petit rosotto. C'était quoi? Un rosotto? Il y a un risotto de la mer, c'était très bon, avec une petite du fromage, j'ai dit, de la pine. Ah, c'est dur. Attends. Ah, je sais plus. Panna cotta. Ah, tout cas de la paco. Panna cotta avec du caramel, il y avait. C'était très bon. Pourtant, j'aurais pas pris. Hein. Mais c'était très bon. Donc, demain, on prépare un truc de ouf encore, je crois. Pierrot grec, Ploumenac. Parfait. Demain, je crois que c'est une journée encore exceptionnelle. Sur ce, à demain.